Ces dernières années, Guy Nadon a marqué le petit écran de performances magistrales dans, entre autres, Aveux, Musée Éden, O et tout récemment dans Série Noire. Mais saviez-vous que suite à un épuisement et à quelques revers de carrière, le très estimé comédien a songé à tout abandonner il y a 25 ans? En 1991, à 39 ans, j'ai failli lâcher le métier. J'avais reçu une proposition de travail en bonne et due forme comme rédacteur publicitaire chez Cossette. Je l'ai contemplé pendant 48 heures. Pour une fois, je n'étais pas condamné à être acteur. On m'offrait autre chose. Si Guy s'était réorienté de la sorte, quelle voix aurait eu Hagrid dans Harry Potter? Blague à part, nous sommes plus que ravis qu'il ait décliné l'offre alléchante qu'on lui a faite à l'époque. J'ai compris que je n'étais pas obligé de tout accepter. Je me suis mis à dire oui à des choses qui m'enthousiasmaient profondément et à mettre les autres choses de côté. C'était à moi de m'ouvrir et de m'adapter. Quand on a soif, il faut se pencher une tasse à la main et ramasser l'eau à côté de soi. Voilà qui est fort inspirant et fort réjouissant aussi. Monsieur Nadon, sentez-vous bien libre de poursuivre votre brillante carrière pour 20 ans minimum?